Wesh, wesh, wesh. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, parce qu'on est reparti sur du Resident Evil 8. On va continuer notre run en Village des Ombres. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, on est arrêté du coup dans la phase de combat avec le boss, bah Moro là, comme on voit en fond d'écran. Laisse-moi juste 2 secondes. Pour faire une petite story, tu vois. Voilà. Comme ça. C'est fait. Ouais, du coup, alors. Normalement, si je dis pas de conneries, on s'est arrêté sur la phase de combat avec Moro. Ou ben, je pense que ça va être ultra galère. Yoloupa, ça va la forme. Ça va être ultra galère et chiant. Parce que j'ai l'impression qu'il prend que dalle et j'ai pas de munitions à bord direct quoi. Bon, ça va, j'avais prévu le coup. De toute façon, il faut penser à s'hydrater vu la chaleur, lol. Ça craint du boudin. Bon, du coup, voyons voir où est-ce qu'on en était, nous. Au point de sauvegarde, oui. Alors, dans mes souvenirs, je suis pauvre. Bienvenue. Yes, je suis pauvre. Jetez un coup d'œil à mes Super. derniers articles. C'est très important pour moi avec la chaleur. Exactement. C'est très très important. En plus, j'avais soif. Alors, le problème, rappelons-le, c'est que j'ai Je pas vous beaucoup de souhaite de faire munitions. bonne route. Mis à part dessus, mais j'ai. C'est une arme munition limite. Ah, par contre, j'aurais dû aller voir, c'est dans mes défis combien j'ai de points. 17 000. Non, moi je veux les dépenser. Comment on va pour les dépenser déjà? À moins que. Attends. À moins que c'était pas là, c'était dans un menu. Mais il me semble pas qu'avec 17 000, de toute façon, je puisse faire grand chose. 30 000. Alors le pistolet là, je l'ai. La mitraille, je l'ai, mais je peux pas les améliorer. Il y a le W6 là que je voudrais bien, mais écoute, voilà, elle coûte cher. Munition infinie, j'ai munition infinie sur le pompe et le petit pistolet, mais bon, c'est que des armes. Voilà quoi, 80 000. Ah. Putain, j'aurais munition limitée sur le lance-patate, frère. À boire, mais ouais, je viens de boire, calmez-vous quoi. Frère, j'ai des trucs là. Ça coûte trop cher. Mais ça c'est con parce que t'as munitions limitées sur une arme donc tu fais quasi pas de dégâts quoi. C'est pas ouf ouf tu vois. Bon je vais revoir un coup parce que vraiment j'ai soif hein, tu vois. En plus c'est du coca ça va me faire grossir, vous êtes dégueulasse. J'essaie de maigrir au taf là et tout, vous faites grossir. Quoi, pourquoi tu gueules persil wesh? Bon du coup je suis Merci, pauvre. n'hésitez pas à acheter un œil. J'ai envie de vendre la poupée, je suis sûr que je l'ai déjà créée dans l'autre partie. Au pire, je m'en bats les couilles, tu vois, là. Ça, je suis sûr que je l'ai fait, j'avais récupéré la tête. Il y avait aussi le petit chien, mais je crois que ça, je l'avais construit. Ah merde, j'avais pas vu, désolé. Bah, dédicace à Percy, t'as vu, si c'est la famine. Et normalement, il me reste que les deux là à finir, mais je sais même pas où est-ce qu'il faut trouver le truc du. Le collier, j'avais déjà rajouté le joyau rouge là, mais apparemment, il manque encore un truc. Et après, la pièce mécanique, je sais même pas où je l'ai droppé, et je sais pas ce qu'il faut rajouter. Et ça te dit pas le nombre de trucs à rajouter, c'est ça qui est chiant quoi. Mais je vais tellement galérer, sa mère. Alors j'ai acheté munitions limitées mais je sais plus sur quelle arme. Bah sur le pompe déjà c'est sûr. Mais normalement j'ai acheté des munitions limitées sur un pistolet. Que je n'ai plus. Bah c'est super ça dis donc. Bien ouais. Très intelligent ça. Oh putain. Qu'est-ce que c'est pas avant l'usine, le collier, il manque un truc.
Ouais, la tête dans le puits, ça je l'ai déjà fait sur ma save facile, donc je m'en fous. La peste mécanique, c'est pas. Bah, la peste mécanique, j'en sais rien, je te jure. Ben, quand j'ai fini ma partie facile, je savais même pas que j'avais dans mon inventaire parce que j'avais jamais cramé. Donc, c'est soit après l'usine, vu que t'enchaînes après les boss. Enfin, c'est soit pendant l'usine que j'ai ramassé ça, j'ai pas fait attention, mais après t'enchaînes les boss, donc tu finis le jeu, voilà quoi. Je vois que là, hein. Je vois que l'usine de toute façon. Et le collier, il manque un truc. Merci. Bah ouais, bah ça, merci. Il manque un truc, frère. T'as fait mal dessus pour me dire ça, ouais. J'ai marqué incomplet. J'ai déjà rajouté un truc, c'est le joyau rouge là. Là, ça. Ça y était pas de base. Et je l'ai rajouté. Mais il manque encore un truc. Mais ça doit être là, à mon avis, au milieu. Mais je sais même pas où est-ce qu'on est. Où est-ce qu'on l'a plutôt? Pff, où est-ce qu'on est? Si, ça, je sais où est-ce qu'on est, t'inquiète pas. Mais bon, ce qui me fait chier, c'est que j'ai acheté munitions limitées pour une arme que je n'ai plus. En plus, regarde, putain, vaut 100 quoi, une arnaque. Mais regarde, 350 de dégâts, frère. Pue la merde. Bah, du coup, j'hésiterais bien à vendre l'arme là. Ouais, mais après, putain, j'aurais plus de pistolet. Ah, bah si, j'ai encore le pistolet là. 270, 195, au pire, ouais. Je peux vendre le pistolet là. Tu ferais quoi, toi, Percy, tu. Vu que j'ai débloqué celui-là, là, avec les points de défi. Il est un petit peu plus puissant. Bon, après, c'est pas. Le reste, c'est pas ouf, ouf, tu vois. Mis à part rechargement. Mais la cadence de tir et la capacité, voilà, c'est pas ouf, ouf. Après c'est pareil, normalement je suis censé avoir d'autres armes. Je sais plus quel autre j'avais acheté. Normalement j'avais acheté la grosse mitraille de sa mère. Je sais pas ce qu'elle est. C'est la grosse arme de Chris là, la grosse le WSX. Ah non, Coco, non, je l'avais pas acheté. Oh, je sais plus moi. Le bazar. C'est quoi le nom de la steak? Magnum, je sais pas, je sais pas. 300. 2000 de dégâts! Ah my god! Moi je garderai le 1911, comme ça tu l'améliores à fond une fois amélioré. Tu débloques l'arme munition limitée. Alors attends, c'est quoi le 1911 déjà? Ok. C'est quoi le 1911? Ouais, 1900. Bah, le problème c'est que. Bah, j'ai pris un truc munition limitée, mais c'était sur l'autre pistolet du coup. Mais du coup, au niveau de l'amélioration, je sais pas où j'en suis. Frère, c'est la S, quoi. C'est-à-dire qu'il me manque encore 46 000, 56 000. Beaucoup. On 26 000, 56 000 et c'est 62 000. Ouais. 65 000, ouais. C'est chiant, j'ai pas de munitions de putain de Magnum là. J'ai tellement galéré la première fois que j'ai essayé de tuer Moro là, il prend rien, frère. J'ai oublié de brasser toutes mes munitions. Le problème, c'est que les armes, on peut pas les racheter plus tard. Genre, si je vends celle-là, je peux pas la racheter. Ou si je la rachète, elle est plus EP, quoi. Manger, c'est vivre. Me fait chier. Je voudrais bien vendre une arme pour EP les armes, tu vois. Bah, wesh, ils sont où les armes? Mais quand tu le rachètes dans la boutique, est-ce qu'elles sont déjà EP avec tout ce que t'as amélioré? Genre, est-ce que tu le rachètes à l'état où tu l'as vendu?
Attends, tu saves sur un autre slot? Sur vraiment les trucs à fond pour acheter les améliorations? Azure Avocado, merci bro. Oui, à l'état où tu l'as revenu, c'est pour ça. C'est pour ça que son coût est élevé. Tu vends, mais après. Mais ça. Je comprends pas ton truc là, tu dis. Tu sais, sur un autre slot, tu revends des trucs à fond pour acheter des améliorations, tu restes sur ta seconde save, tu vas sur le menu et tu prends là. Dans la boutique, la munition limitée. Ouais, mais la munition limitée, faut finir des défis, c'est pas avec de l'argent, c'est pas avec des lives. Les défis qui m'a. Putain, je sais plus où est-ce que je l'ai foutu ma feuille. J'ai pas vraiment de défi un peu facile à finir quoi, c'est le problème. En gros, t'as pas besoin de terminer le jeu pour débloquer la munition limitée tant que tu saves avec l'arme à fond. Ça débloque le munition limitée dans le. J'ai pas compris, wesh. En gros, à partir du moment où tu finis le jeu avec une arme boostée à fond, tu débloques automatiquement le munition limitée dans le truc de défi à acheter. Mais c'est pareil parce qu'il me faudra toujours des points de toute façon pour acheter une munition limitée derrière. Vas-y, j'arrête 2 secondes. T'es ouf. Wesh. Gaspard. Ah, attends, j'ai pas. Pourquoi je t'entends pas? Voilà. Normal. C'est bon, allô. Allô, allô. Ouais. Ouf. En gros, c'est très simple. Quand tu. En gros, t'es pas obligé de terminer le jeu pour débloquer l'arme en munitions illimitées dans la boutique de points, en gros. Parce qu'ils te disent comme quoi t'es obligé de le faire, mais en réalité, t'as juste à débloquer. Enfin, à avoir toutes les améliorations d'une arme. Et dès que tu l'as et que tu sauvegardes, en fait, ça va la débloquer instant dans la boutique de points. Ah, en gros, tu peux gruger, quoi. Voilà, c'est ça. Donc en gros, ce que tu peux faire, c'est tu refais sur ta sauvegarde là, tu sauvegardes sur un autre slot. Comme en fait, ça, tu fais ça 50, pas... tu fais une sauvegarde par amélioration quoi en fait. Voilà, c'est ça. Après, c'est pour. Bah, c'est pété, voilà, quoi, tu... aussi. Bah après, ouais, c'est une technique comme une autre quoi, si t'as pas. Ah, c'est une technique de pélo aussi. Genre là, tu vas me dire, attends, y a quoi comme munitions limitées? Bah là par exemple ton 1911, attention à moi. Là tu sauvegardes, fais une deuxième sauvegarde. Bah là au pire là c'est pas grave, c'est ma sauvegarde, c'est direct, j'ai rien fait, je démarre là ici comme ça. Ah ouais mais non fais une deuxième sauvegarde. Ouais mais j'en ai déjà deux. Bah là les vieilles. J'en ai une troisième. Bah ouais mais tu peux en faire combien? Je peux pas en faire 12. Si tu peux en faire pas mal, t'inquiète. Bah pas grave, après tu roules. Vas-y fais sur aucune donnée en dessous là. T'inquiète, on a pas mal. Ok, bah attends, j'ai un petit peu de décalage. Non, c'est bon, t'inquiète. Ok, maintenant tu revends, ton fusil à pompe, ton sniper. Bah, le plus cher, quoi, je revends le plus cher. Oui, voilà, après revends les trucs les plus chers, t'améliores à fond ton arme. Ensuite, tu resaves sur la sauvegarde niquée que tu viens de save. Et après, tu retournes dans le menu et tu regardes ta boutique de points. Ouais, mais après, au final, je dois racheter les armes. Bah non, parce qu'après tu vas. Ah là, après je reprends ma première sauvegarde. Ah d'accord, en fait bah après oui. Je gruge tout, je reprends ma première sauvegarde. Bah oui. Ah. Et normalement. Bah en fait je revends toutes mes armes d'un coup quoi.
tu peux revendre toutes tes armes. Ouais, mais non, mais si je... ouais, mais non, si je les vends, j'aurais plus dans le menu d'amélioration. Ah bah oui, faut que tu revendes celle que, au pire, tu fais un par un, tu sais, tu revends celui où t'es sûr que bah, tu je peux, tout de suite. Je peux revendre les armes déjà full améliorées, au pire. Ouais, voilà. Bah, pas grand-chose. Après, améliore, améliore celui où t'es sûr de tu sais, t'es pas obligé de tous les faire tout de suite, si t'en utilises que une ou deux. Bah le problème, moi, après, c'est les munitions, c'est même pas les armes. Bah voilà, mais de toute façon, t'auras les munitions après illimitées avec. Donc là, mettons, je peux revendre. Bah, mettons, si je vends le sniper, je peux améliorer sûrement le pistolet et le pompe. Bah, mais le magnum, okay. Mais le magnum, tu peux pas avoir le magnum puissance full, combien il est? Putain, magnum puissance full. Déjà, il est 2300 là, il est. Niveau 4. Plus voilà, plus attends, il est, on va essayer, on va essayer. Mais. Bah, vas-y, hein. Et je le fais. Alors, je sais pas si le magnum il est en munitions limitées par contre, hein, j'ai pas regardé. Ouais, mais c'est pas grave, de toute façon c'est pour déjà améliorer. Donc j'avais dit de vendre le sniper. Oh, il est qu'à 100 000, putain. Pas grave, tu vends tout, t'en fous. Bien, attends, on va déjà vendre ça. Tu peux même revendre le GM79 là, le lance-grenade. En vrai, ça te fait de la thune en plus vu que tu peux pas l'améliorer cette arme. Ah, ça y est, c'est terminé. Donc là, à partir de là, je sauvegarde du coup sur ma troisième sauvegarde. Tu sauvegardes sur la save fake là, bah celle que. La dernière coup, là, la quatrième. Voilà, tu retournes dans le menu. C'est pété quoi, cette astuce de merde. Et tu me dis si ça marche parce que moi j'ai un décalage du coup. Boutique spéciale. Normalement ça marche, hein. Moi ça a marché donc à moins qu'il les patch. Donc toi c'est le. Va directement dans la catégorie armes, hein, ce sera bah, plus simple. 1911, là, il y a 40 000 points, c'est le problème aussi. Ouais, sauf que tu l'as quand même débloqué. Avant il était bloqué, maintenant au moins tu peux l'acheter. Ouais, mais bon, 40 000 points quand ouais, même. Ouais, écoute, après j'y peux rien gros si t'as pas de points. Ah bah oh, si, il y a le Colt. Bah voilà, tu vois. Moi je veux bien t'aider, mais si tu fais pas d'efforts... Ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais. Il y a aussi le W6, mais... Oui, W6, je le trouve pas ouf, moi, perso. Ah ouais. Ouais, honnêtement, il est pas ouf. Et pour la Dragoon, là, tu la trouves bien ou pas? Ouais, moi je sais plus quelle arme je joue. Moi je joue, ah oui, si. Moi je joue pistolet lance-roquette. Pistolet, hein. Ouais, j'ai un lance-roquette dans le jeu. Ah ouais, pistolet lance-roquette. Attends, ça lance vraiment dans la roquette. Ouais. Bah tu le débloques comment, je te fais pistolet. Faut terminer le jeu en village des ombres. Ah bah tiens. Bah c'est le truc le plus pété. Et ouais, là, du coup, je recharge ma sauvegarde d'avant en fait. Là, ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et tu. Ah oui, mais non, tu l'as pas acheté donc tu le verras pas. Dans la boutique, mais en gros, une fois que c'est acheté, en fait, tu l'as dans la boutique, ça coûte genre 300 pièces, tu vois. Ça coûte pas trop cher. En plus, c'est bêté quoi. Ouais, c'est comme les dernières armes que tu débloques. Ouais, voilà, c'est ça. D'ailleurs, ils ont toujours pas patch pour pouvoir retirer les badges des armes. Là, du coup, ce que je peux faire, là, j'ai mis un coup d'œil à mes dernières armes. Du coup, là, ouais, bah, t'as toutes tes armes, du coup, maintenant. Du coup, j'aurais j'améliore le. Tu peux même. Attends, j'avais revendu quoi le snipe mag... Bah là, tu vends tout, t'en fous. Ouais, bah tu vends tout pire. Et vends même tes trésors, au pire, t'en bats les couilles. De toute façon, tu les retrouveras juste après. Non, mais pour être. Bon. Bah, ça revient cher au final après avec. Avec comment. Ouais, voilà. J'imagine que l'on peut. Par contre, vends pas le magnum si c'est le magnum que tu veux. Oh putain, 80 000. Mais pour moi, t'auras pas assez. Avec plaisir. Bon, il manque. Regarde, déjà, c'est 130 000. Il manque 54 000 plus encore une amélioration. T'auras pas assez. Essaye de revendre tes d'autres trucs, hein, genre les trésors. Il vaut 432 000, frère.
Bah. Ouais, là, jamais je pourrais le racheter, frère. Ouais, mais quand tu vous revends, il est plus cher encore. Hein. Ouais, bah ouais. Quand tu. Il est. Bah, je pense qu'il doit prendre au moins. Il doit prendre au moins 15%, je pense. T'en as 3 des crochets, gros. Tu peux gagner déjà un peu plus. Non, mais pourquoi tu fais juste plus 1 alors que t'as 14 des fois? Bon, en fait, je fais pas gaffe. Mais pour moi, t'auras pas assez, gros. Laisse tomber. Hein. Vas-y, me donne pas le faux espoir. Normalement, t'as aussi les trucs incomplets là que tu peux revendre. Ah ouais, j'ai tout mis. Normalement, il me reste que mon arme. Je suis surpris. Parce que là, t'as 37 000. T'auras absolument pas assez. Quoi. J'ai même pas assez pour l'arme en elle-même. Un coup d'œil à mes derniers articles. Attends, on va essayer hein, en cas où, tu sais. J'ai hâte de voir les fruits de maintenant, il faut 54 000. Vas-y, laisse-moi faire des faux espoirs, s'il te plaît. Tu fais. C'est jamais. Mais ça marchera pas, il faut qu'il soit level up à fond. C'est ça, mais. Level up à fond. Mais il est pas level up à fond ton truc. C'est quoi le nom de l'arme? Je sais plus, c'était le. Descend. Ouais, World Bang, my cool. Non, il est pas. Allez, bah du coup, on va. Hein, je sais plus c'est lequel. Celle-là, je crois. Sinon, t'as un moyen sympa, je crois que t'as des défis aussi à faire sur. Comment ça s'appelle? Le mercenaire. Sur le mode mercenaire. Ouais, faut que je teste. Hein. Mais t'en as pas chier, ton village des ombres, tu es mort. Si. Bah oui, mais mec, frère, c'est un sac à PV le truc. Ouais. Même sac à PV, c'est. Je sais même plus où est-ce que c'est. Non. T'es où là? T'es. Ouais. Ah mais t'es toujours contre Moro là? Bah oui, je dois le tuer. En fait, j'y pense. Y'a pas une arme dont je me sers pas. Que je pourrais revendre. Bah déjà, j'ai vu que t'avais deux fusils à pompe, useless. Tu revends un, tu gardes et tu gardes l'autre. Ouais, mais l'autre, j'ai munitions limitées. Ouais, putain. C'est quoi, utile? Bah. Parce que je voudrais bien une arme ultra chère pour acheter des munitions de Magnum. Bienvenue. Vas-y, c'est plus de mon ressort, hein, j'abandonne. Parce que Magnum. Ah, pas de balles en fait. Bah ouais. Et du coup, je m'amuse à le tuer au fusil à pompe munitions limitées là, à 1280 dégâts. Oh là là. Oh l'enfer. Mais attends, non, même pas, hein. Ton fusil à pompe et munitions illimitées, il fait moins de 1200, je crois. Bah ouais, 800, ouais. 800 de dégâts. Ah, c'est Moctopos, c'est pas vraiment. Si. C'est un investissement. Parce que c'est, ce qui est chiant, c'est qu'on sait pas la vie qu'ils ont, en fait. Bah, sinon, je sais qu'au Magnum, ça leur met des putains de claques. Genre, tu vois, les sœurs de Dimitrescu, là, enfin les filles. Mais... Bah, genre, de balle. T'as rien pour créer les munes. Non, frère, pauvreté, tu connais. Je sais même plus comment on ouvre le truc de craft. Bah, c'est tab E. Non, j'ai rien. Si, c'est tab E. Non, mais j'ai rien. Pour crafter, il me manque plein de trucs. Faut le buter au sniper. Sniper, frère, bah c'est pareil, j'ai pas 35 000 balles, j'ai. Attends, 57 balles. Ta mine, oublie pas d'utiliser. En vrai. Ouais, bah il se la prend, t'inquiète, hein, je l'envoie dans les. À côté des tonneaux, je l'expose devant sa gueule et tout, t'inquiète pas. Ouais, t'as même pas besoin de le faire exploser devant sa gueule, hein, tu le laisses marcher dessus. Non, je parle des tonneaux. Ouais, mais toi t'as une mine. Ouais, bah la mine, ouais, il se la prend. Et après, moi j'attends qu'il passe à côté des tonneaux et je le fais exploser. Bah, le mieux pour toi, c'est. T'essayes de rater aucune de tes balles de snipe. Tu restes assez loin. Oh, mais frère, le coup je l'ai fait, j'arrive en phase 3. Après, il saute dessus, là, même en esquivant des trucs comme ça, tu te prends, quoi. C'est nimp. T'as beaucoup de soin.
2 ou 3. Ça va. Bah, bonne chance. Ouais, allez, on va essayer. Écoute. Est-ce qu'on a le choix de toute façon? Bah oui, en fait. Bah non. Bah si, on a le choix. Bah non. Bah si, on a le choix. On a tous le choix. Hein. Allez, c'est parti. Parce que lui, en soi, faut le tirer dans la gueule. Ouais, tu tires dans... Tu tires dessus quand... Bah j'arrive sur les trois premières phases et après ça part en cacahuète. Attends, mais de toute façon même j'avais ça aussi. Bon. N'oublie pas de récupérer les coffres, les caisses et tout, tu peux péter à droite à gauche. Ouais, tu vois, alors là il rush et tout que... Alors, il met des tarnioles en plus. Quoi. C'est une blague. Il a l'air de se rembattre les couilles. Regarde, je peux péter le truc à côté, il s'en bat les couilles, wesh. C'est quand il fait un roulet-boulet. Attends, moi faut que je vais terminer des jeunes. Hein. Il casse ce jeu. Oh, il va revenir. C'est bon, t'as fini la première phase. Bah, c'est comme ça, tu vois. La fois dernière, j'étais caché en dessous d'un truc. Bah, c'est passé à travers, je suis mort. Ouais, c'est Capcom. Ouais, Coco, ouais. Après, il y a peut-être un trou, hein. Oh non, t'as utilisé une balle. Putain, t'es con. Hein. Ouais. T'aurais dû prendre ton pompe illimité pour détruire ça. Ah, j'ai coincé. Tu as même pas équipé ton pompe limité. Ah, un beau tonneau cacheur. Tu vois, genre quand il est comme ça debout là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il prend rien. Oh. Ah, il me vomit dessus ce bâtard. J'ai récupéré. Oh, j'ai plus de mines. Ouais, il y avait pas autant de mines la fois dernière. Si, il devait y avoir autant de mines. Mets-les tous les unes à côté des autres. Ça s'accumule. Ouais, bah ouais. Ouais, les deux dernières, tu les mets l'une à côté de l'autre. Ah, bon bah. On n'a pas eu envie. Putain, c'est une blague. Frère, je suis contre un mur, quoi. Je sais pas, je peux pas en craft, là. Non. Fusil d'assaut. Ah, oh, bah, je peux. Je craft une mine, ouais. Merde, putain, il est derrière, je sais pas. Aïe.
regarde le roulé boulet qu'il va faire, c'est marrant. Ah bah non, on va le faire. Pas une balle. One ball, one shot. Loupé. Ah non, j'ai peut-être fait. Ah. Oh non. Putain. Oh là, il monte. Faut que tu retournes sous un peu, du coup. Je peux pas, genre, toucher. Mais genre, là, quand il fait ça, je peux pas le tirer dessus, on est d'accord. Bah, j'en ai essayé. Ah bah, ça l'a, apparemment, ça l'arrête. Salut. Ah. C'est la grosse merde. T'as plus de soin? Non. Allez là, dépêche-toi. Mais il y a que 3 phases là. Pourquoi la 3ème phase il... Ah, c'est un mur le mec. Je commence à voir rouge. Je sais même plus comment tu le vois quand il meurt. Ouais, j'ai une bombe jusqu'à ici quoi. Ah, oh, il va rusher. Je l'ai fait que deux fois hein. Je suis sûr, il va me rusher ce bâtard. Mais frère, c'est bon. Mais non. C'est mort. Oh, presque. Je vois tout vert. Allez, dépêche-toi. Peut-être quand il vomit, il faut vraiment le mettre dans une thorax. Oh, s'il meurt pas, je comprends pas. Frère, je cours deux temps sur tout. Ah, deux temps en plus. Ah c'est bon. Ouais, faut attendre que ça s'arrête.
Qu'est-ce qu'il voit, wesh? T'as plus de balles dans ton pistolet, hein. Je sais pas pourquoi tu l'as dans tes mains. Ah voilà. J'ai mis le garage. Ah, une course en vomi. Arrête de jarder là, putain. En fait, j'ai l'impression qu'il faut le tirer dessus pour là il arrête de vomir là. Oh putain, non. Oh putain. Ok, encore masse conférence cet après-midi. Je te jure, j'y arrive pas, ça me saoule! Y'a du Kena cet après-midi! Ah ouais? Y'a des infos sur Kena cet après-midi, ouais. Et si tu mets un gros pack de mines, est-ce que ça lui fait plus de dégâts ou pas? Bah, en fait, c'est juste qu'il va prendre toutes les mines d'un coup, en fait. Ah ouais, donc. Bah, en vrai, c'est mieux. Enfin, je trouve ça mieux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voir comme ça, hop, il prend tous les dégâts. Après, ce qui est relou dans ce jeu-là, il me semble que en fait les mobs, ils sont sujets à pas, ils ont comment dire, il faut leur mettre un certain niveau de dégâts avant qu'ils changent de. Bah ouais. Avant. Toi, non mais c'est pas genre ils ont une barre de vie, genre en gros. Enfin, c'est un peu spécial en fait leur truc. C'est un peu bah, je te dis, les sœurs, enfin, les filles de Dimitrescu là, en genre de balles magnum sont mortes quoi. Bah, même un bal. Ouais, mais c'est toi, pompe, c'est. Hein. C'est vraiment parce que j'ai peut-être mal joué. Allez, moi je te laisse. Ouais. Je te souhaite bon courage. Ouais, je te dirai si j'ai réussi. Yes, sinon bah tu pars en arrière, t'achètes Non, tu refais le monde mercenaire et. Voilà, tu t'achètes des pistolets. Et j'achète les munitions limitées. Les munitions limitées Magnum, t'as vu, t'as compris lol. Ouais, ouais, va voir. Ouais. Allez, bon courage, à plus. Ouais, merci, merci. Peut-être que j'écho genre mes mines et tout, tu sais, puis le foot à troisième. À la troisième phase.
blague, putain. Qui défait le mur là, là. Mais ouais, je suis même pas dessus. Mes frères. C'est une blague, je suis même pas dessus, quoi. Il va faire péter sa gueule, moi. Je suis même pas dessus. Ah, il vomit à côté de moi. Ah, vas-y, tant qu'on y est. Vas-y, vas-y. Faut que j'aille récupérer directement les... La balle de Magnum, je l'ai pas en plus. Si j'arriverai à lui claquer une balle directe. Ça se prend deux explosions, il ne bouge même pas d'un poil, quoi. J'ai l'impression qu'il se bat les couilles de mes dégâts. Ça va être compliqué. Allez, arrête de gerber.
Heureusement que faut juste tirer quand il y a la gueule ouverte hein. C'est qu'il est tout content de boss hein. C'est une blague! Genre ça passe aussi, ça arrive à me toucher en dessous d'un toit quoi, c'est là. Faut vraiment je me barre quoi, il vomit quoi. Casse les trucs. Genre là je peux pas... Je peux pas lui mettre tarif quelque part là.
Je peux rien faire. Mongol, putain. Je fais rien du tout. Mais il me bump, je sais pas pourquoi. Ah, il me course pendant 10 km en plus quoi. Allez, bah ouais, forcément il recourt quoi, ouais. C'est ça, demain. Mais c'est quoi essayer? Putain. C'est une blague. Vraiment? Putain, pourquoi je me soigne? Je suis con. Il fait que rusher en plus. Plus con tu meurs. J'ai plus ma balle de ma... Deuxième phase. Oh, bien.
Toi, j'ai claqué deux soins sur la deuxième phase, alors là, sur la troisième, laisse tomber. Putain, je me coince. J'ai pas de mine par hasard? Bah non! Quelle question! J'allais dire si il me rush c'est mort. Bah il me rush. Écoute, je vais tenter un truc. Je vais vendre mes armes. Sauf le snipe et le colt. Et je vais acheter blind de munitions de colt, tant pis. Écoute, quand il faut tester des trucs, il faut tester. Limite ce que je vais garder c'est mon fusil à pompe. Munitions limitées. Alors, non. On va vendre. Le pistolet. Ça, j'ai dit que je vais le garder. Le pompe, là, on va le vendre. Le fusil, on va le garder. Le lance-patate. J'ai quand même mis 200 de dégâts. On va le garder, on va le garder. Les mines de garde, on va essayer de vendre ça. Et on va acheter des munitions. Tu sais quoi, j'ai acheté 50 000 mines et plein de munitions. T'aurais eu de la chance, ça passera. Chargeur tambour, on s'en bat les couilles. Toi, tu vas pas me dire qu'ils font pas de munitions de. Oh, oh là là, carnage. Ah mais bah, il a le pistolet limité que j'ai acheté. Wesh, ils vont pas de munif. Putain, j'ai. Ils vont pas de munitions. Pire fois que je tente d'acheter une arme. Genre celle-là, elle a l'air vachement pété celle-là. Vous allez faire un malheur avec ça. Ouais, bah attends, je suis con. Moi. Revenez quand vous voulez. Le pistolet en question. Dix balles. 10 fucking balles. Mais bien, je commençais justement à m'ennuyer. C'est une blague quoi. C'est quoi les balles qu'il faut dedans? Manger, c'est... Ouais, lui aussi il fait pas d'effort frère. Nous reverrons bientôt. Pas la bonne porte. Si, c'est la bonne porte. Je te laisse des trucs, hein, de toute façon. Que j'ai des trucs à perdre. Non. Je sais pas s'il y a des munitions de pistolet en bas. Donc attends, on va. Raccourci. Ah bah, il est raccourci, c'est bon. Thank you.
putain, il reste déjà. Sur tout ce que j'ai ramassé, il n'y a même pas de munitions. Arrête de tourner même sens que moi, t'es con. Pas eu l'effet escompté. Voilà, t'inquiète, il m'a bien bouffé ce bâtard. Il n'y a pas de munitions qu'il faut dans toute la zone, quoi. Oh putain, Nico. Thank you.
rigueur en munitions. Oh. J'avais jamais dit ça. Alors un truc pour contrer ces... Mais genre... Je vois pas. Je n'y comprends pas. Du coup, attends, on démarre quoi là? Je comprends pas pourquoi j'ai 10 balles. Puis ils vendent même pas de munitions, ce bâtard. Je vais même pas revenir largement en arrière pour trouver un autre marchand parce que je suis obligé de le tuer pour avancer. So, il fait beau. Ça se trouve, je m'y prends bien. Hein. C'est juste que là, j'ai un IM de merde et je vais mettre 10 ans à le tuer. Une bombe de 10 km quoi. Je lui fais des shots lui avec les épaules là. J'ai l'impression en fait c'est quand il mourrait qu'il faut le faire exploser.
Bah, je loupais. Salut. Bah, ça a pas vraiment marché, non. N'empêche, sur la main de mine qui s'est mangée, même pas, il s'est mangé. Putain, je suis quand même trop fort. Allez, bouge ta graisse, toi, bien. Ah, t'as vu le nombre de balles que je lui ai mis, quoi. Bah, alors laisse tomber, je vais jamais réussir. Hein. Je suis tellement là. Ah putain, il y a un de merde. Ah, il est là. Tellement chier. Attends, c'est pas le moment, Kaline, fais pas le con. J'ai pas le temps de m'étirer là. Dépêche-toi, t'es où? Ah, tu me prends ces coins de merde. Et je me tirerai seulement si j'arrive à le tuer.
3, je me casse. Putain, il me reste 10 balles. Arrête là, petit. Mais tu vas me lâcher, oula. Ah, il vomit dessus. Allez, c'est parti, ça va être long. J'ai plus d'armes là-dedans. Ouais, une balle, allez, vas-y. Pour l'honneur. Oh non, 37 balles. Wouhou. Oh, oh my god. Oh my god. Enfin. Ah bah là, j'ai vraiment tiré là. Oh putain. Je pense que c'était vraiment le boss le plus dur du jeu. Bah heureusement j'ai pris mon pistolet à 37 balles, hein. Tout le dé. Ouais. Jusqu'au bout. Ouais bah là, c'est le cas de le dire. Casse-cou jusqu'au bout même. La sortie était un peu plus loin. Alors maintenant le truc c'est qu'il faut repartir de là. On espère qu'il y a un putain de checkpoint ici. Une plante, ouais. Ça veut dire soigne-toi pélo. Alors là, le problème, c'est que j'ai vendu toutes mes armes pour acheter des munitions, et le problème, maintenant, je dois continuer sans mes armes. C'est pas ouf comme idée. Alors, c'était là. Mais la porte-là, je pourrais jamais y rentrer. J'ai pas la clé. Ah, mais... Non, c'était pas la porte-là, en fait. J'ai dit de la merde. C'était pas la porte là, c'est plus loin. Il y a une porte cachée. Et je crois que je me faisais rusher, c'est peut-être pour ça que j'ai peut-être pas été. Ouais, bah les couilles. Ce truc est vivant. Donc ça va, Kalim, la forme? Allez, ouvre ta porte de merde. Alors, le truc, c'est que moi... Je dois reprendre l'ascenseur. Là. Sauf que j'avais vu une porte la dernière... À moins que c'était la porte là. Non, il y a bien un truc quelque part. Hein. Ça, c'est l'endroit où il y a mass people, ça. Où ça a été vidé. Eh oh, quelqu'un? C'est là que j'avais récupéré la clé du bateau. Putain, quand je vais le refaire en facile, frère, bah ils vont prendre tellement des grosses marades dans leur gueule. Voilà, ils vont rien comprendre. Ah, ils sont pistolets. Alors, est-ce que c'est pour le pistolet? Bah non, ça aurait été trop beau. Putain! Deux balles. Waouh! Pas des records! Du coup, attends, ça je vais mettre un raccourci, je vais le mettre sur le lance-patate. Ce sera toujours mieux d'avoir. Oh, une tente. Ce sera toujours mieux d'avoir ça en main. Je vais crafter beaucoup de soins. Parce que toi-même tu sais. Voilà. Il n'y a pas un truc là terre. Oh non. J'avais vu un truc briller, hein. Écoute, on sait jamais. Hein. Putain, mais c'était où? C'était où que j'avais vu une porte à un moment là. Bah je suis content, en tout cas j'ai réussi à faire le putain de boss de merde. Je suis content.
Donc là, ouais. Si on suit le chemin, retourne où? C'est vrai qu'à la cuisine, là, je dois récupérer quoi? Je sais plus ce que je devais récupérer pour la cuisine. 8 poissons, des poules. Ça se trouve, c'était des poules. Il me faut des petites poulettes, bro. Là, c'est pour repartir sur la zone, mais flemme. On va se barrer. Faut que je trouve au moins un marchand pour sauvegarder là. D'ailleurs, je sais même plus où je reviens. Je sais même plus où je reviens. Ah oui, bah c'est le moulin. Bah, il y a un point de sauvegarde en haut, théoriquement. Yes. Alors, déjà, on va sauvegarder là. Toujours en dernier. Bon, moi, je me trompe pas. Je crois que c'est la Yo du Flamingo. Merci pour le follow. Je crois pas que j'ai récupéré la petite boulette là. Non, c'est pas la bonne. En tout cas, merci pour le follow. Bienvenue à toi. Ça, je l'ai pas tué. Faudra que j'aille le tuer. Ça m'apportera des points. Bah, de la thune. Toujours ça de prix. Je sais même plus ce qu'il y a là-bas. C'est pas un boss. Putain, mec, je passe 30 fois, 30 fois devant, je le loupe. Putain, je crois qu'il y a un boss là-bas. Et flemme d'aller le faire. Je les ai déjà tous fait en facile là, c'est bon. On est. Oh, ah oui! C'est un gros loup. Flemme, mais vraiment. Flemme, flemme, flemme. C'est un gros loup-garou, je sais pas quoi. Ça me dit quelque chose. On se casse! De toute façon, je les ai déjà fait en facile. J'ai déjà eu les défis, je crois. Alors, par contre, là, s'il y a un monstre qui arrive, je me prends une tollée. Mais. Je fais un aller-retour gratos vers la mort, quoi. Il y a un truc là-bas. Bon, pareil, s'il y a un deuxième boss, oula, je suis dans la merde. Ah oui, il est cool. L'épaule. Comment j'ai tué l'épaule? Oh, y'a un truc. Oh, la ferraille, trop bien. Ah, bah oui. Je peux l'ouvrir maintenant. Mais je sais même plus s'il me faut encore des poissons ou des poules pour ma cuisine. Mais là, ça pue, hein, par contre. Il met une icône de quête. J'ai peur de mourir, toi. Ah, bah les poules! Donne ta viande. Pourquoi il y a une flèche? Voilà, la flèche m'intrigue. La flèche m'intrigue.
Alors, je sais même plus si je suis déjà venu là. Oh, facile. Ça me dit rien. Oh, ça sent l'arnaque. Oh, ça sent l'arnaque. Je suis sûr, il va se lever ce bâtard. Le rubis sang de pigeon. Oh! Oh, c'est peut-être pour le collier! Rubis sang de pigeon combiné. Oh! Ah my god! Je l'ai trouvé! Donc, ça veut dire que là. Oh yes, il est full! Enfin! Enfin, je le termine, cette putain de collier de merde! Il y avait une icône. Alors, je sais pas si l'icône c'était pour le collier ou si c'était pour l'épaule, par contre. Très bonne question. Voilà, j'ai la vidéo ouverte. Le marchand. Le petit marchand. Hey, salut beau gosse. Toutes mes excuses. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai de nouveaux articles. Alors, yeux de moro, ça je le vends. Ça, le mythe, je le vends. Je vends pas les collets des minitrices. 50 000. Ouh, ça, ça fait plaisir, ça, bro. Oh, ça vient de Lord Moro. C'est sans doute ce que l'on appelle la beauté du grotesque. Volaille. Alors, attends, là, c'est un ragot, ça vrai? Connu pour renforcer la vitalité. Ah, il faut deux poissons, on fait chier. Nous avons tous les ingrédients. Il me faut deux poissons. Ah, c'est prêt. Ting. Miam, 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 miam. Votre vie a grandement augmenté, effet permanent. J'aurais jamais imaginé manger un tel plat dans cette région. Alors. Est-ce que j'améliore des armes ou j'achète des munitions que je peux pas acheter? Putain, mais c'est abusé quoi, ils ont rien. En fait, je disais, ouais, je vais changer de. je vais changer de vendeur, mais il y a rien. Oh putain, je peux monter ça plus. Ah, ma 80 000. Ouf. Ouf. Non, non, wow, 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 pas de conneries, bro. Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. Pas envie de savoir. Et là, du coup, je peux racheter. Ah ouais, putain, mais écoute, tarif, les armes, là. Starfully, là. Alors, soit je l'attends à coup de mine, ou soit j'ai quoi mon argent. Là, ce qui est sûr, c'est que je vais sauvegarder. Là. Merci de votre visite. Alors, deux poissons. Est-ce que je peux gratter deux poissons quelque part? Est-ce que je peux gratter deux poissons quelque part? Je sais pas s'ils respawnent, par contre. S'ils respawnent, je vais aller voir vers le château, là. Dans le mourir, toi, wesh. Enfin, un effort. Ouais. Alors, est-ce qu'ils ont respawn les petits poissons? Pas du tout! Super! Putain. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Bon, allez, let's go. On zigo. On zigo d'agneau, ouais. Laisse quand même envoyer.
Allez, c'est parti. Alors, bonne chance, ouais, c'est ça. Je crois, si je dis pas de conneries, à gauche, c'est un boss. Ça va vers une petite fermette ou je sais plus quoi là. Ouais. Voilà à droite. Hein. Pas de temps à perdre. Hein. Et pareil, je crois qu'il y a des putains de mobs. Genre maintenant. Oh là là. Putain, puis là, il y a plein de mobs, je crois. Putain. Alors, soit je vais tenter le rush, ou soit je tente de les tuer. Sauf que ce qui va être compliqué. Bah, ce qui va être compliqué, c'est de les tuer, quoi, tout simplement. Parce que voilà, j'ai pas beaucoup de munitions, tu vois. Il y a une plante, il peut toujours servir. Ouais. De souvenirs, ils sont beaucoup, hein. Où est-ce qu'ils campent, ces bâtards? Bah t'as de la chance toi, dis donc. Super, ça commence bien. Ça commence bien. Dégage. Torfle. Alors, est-ce que je peux crafter des munitions? Pas du tout. Le problème, c'est que j'ai un putain de pistolet à pompe munitions limitées, mais je fais pas beaucoup de dégâts. Ouais, toi, reste où t'es, là. Je peux en faire qu'une. Allez, on va jouer au bonheur la chance. Ah non, j'en ai eu deux, ça va. On va jouer au bonheur la chance. Fion. Ah ça. Que de souvenir après il y a un putain d'abat de mob. Ça venait un par un. Moi je vous prends tous un par un, moi. Ok. Ok, ok. C'est un fou là, je dis un par un, putain. Cassez-vous. Et même avec le putain de lance-patate, ils sont pas morts, quoi. Bah, apparemment, j'ai tué tout le monde. Apparemment, j'ai tué tout le monde. Oh, je peux crafter des munitions. 4 balles de snipe. Waouh. On bat des records. On bat des records. Tu vois, là, toi, j'arrive vers un coffre. Là, là, ça pue. Là, ça sent le boss. Et ça se trouve, attends, c'est même pas là le chemin. Parce que si, là, je crois, ici, on tourne en rond. Oh non, putain, je... Oh putain, j'étais oublié. C'est des putains de tireurs d'élite, clan. J'espère déjà si... Si je les loupe, ça va pas le faire. Ça fait mal. Oh no! C'est moi, il y avait un putain de zombie derrière moi là.
est au-dessus, je parie ce bâtard là. C'est lui qui est pas descendu. Tiens, là, tu es en train de me pilonner avec ces flèches de merde là. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, bro. Putain, j'ai zéro balle, quoi. C'est une blagounette. Oh, oh putain, oh putain, mon bonheur. Oh putain, des balles. Casse-toi. Oh, et là, il y a plein de mobs, je crois. Jamais je vais réussir. Faut que je prépare un piège. Faut que je prépare un fucking piège. C'est vrai que là, il y avait un... Ah non, le coffre, c'était un truc à récupérer. Mais je sais pas comment on devait monter. Alors là, clairement, si j'arrive à passer ce passage, faut m'appeler monsieur. Parce qu'il y a 50 mobs qui vont arriver. Impossible de passer. Et vraiment. Elle venait par là. Ouh, Starflo est mon fêteur. Oh, écoute, ça n'a pas eu l'effet escompté. C'est que des putains d'archers, quoi. Je dois pas tirer d'en dessous. Ça va être galère. C'est tout là. Il leur en faut des balles pour crever ces putes là. Je crois que c'est pas fini ça quand même. Cartouche de fusil. Alors déjà dans le pistolet, je sais même pas ce qu'il faut comme cartouche en plus. Je préfère faire des soins. Grenade explosive, j'ai cru voir. Alors, ce qui veut dire que dans le pistolet là, c'est même pas des balles de pistolet quoi. Super. T'inquiète. Il me semblait qu'il y avait plus de mobs que ça. Hein. C'est quand j'active les trucs.
Ouais. Les enchaînes apparemment, bro. Qu'est-ce qu'il y a? Oula, il y en a encore un. Il est où? Retraite tactique. Le bordel ou parce que j'ai encore entendu des gens gueuler là. Je suis pas con. J'ai entendu des putains de gens gueuler. Ah, je vais me faire attaquer dans le cul. Il se barre ces putes. Ah, ça veut pas dire que je les tiens, j'ai des agros, non. C'est là j'ai des agros, ils récupèrent toute leur vie ou ça se passe comment? Attends. La porte est ouverte. Si tu penses à ce que je pense, je crois que je vais jamais courir aussi vite. Yalla, fuyons. Là derrière Dimitrescu, bam, coupe la tête. Fini. Ah. Bon, j'espère que c'est un putain de checkpoint là. Oh, un point de sauvegarde. Oh, qu'est-ce que je t'aime, toi. Qu'est-ce que je t'aime, les points de sauvegarde. Sauvegardons deux fois parce qu'on n'est jamais trop prudent. Alors, notamment même, je crois qu'il y a encore un putain de boss. Fuck. Il me semble. Ah non, ici c'est le bordel. C'est sûrement leur repère. Ouais, c'est ça, ouais. Comme si elle a. Wouhouhouh, y'a du monde. Oh, le bâtard. Oh, t'es moche. Oh là là, t'es moche. Casse-toi. Ouais, calmez-vous un peu, laissez-moi vivre. Oh,
Laissez-moi me barrer. Moi, c'est un gros là qui me faisait peur. Alors, attends. Déjà qu'on se remette bien. D'avant, il y avait un gros en armure. Wouh! Putain, il m'a fait peur ce bâtard. Crève là. Casse pas les couilles. Alors, déjà ça c'est mauvais quand on loupe sa balle. Ça, c'est un gros en armure qui me fait peur. Hein. Putain. Voilà, je vais t'insulter de tous les noms. Crève, bitch. Wesh, mais ils sont encore combien? Mais ouais, mais attends, bah ouais, mais ah non, mais non, ça c'est bâtard, ça. Wow, calm down. Ah, d'accord, ma mine n'a rien servi, très bien. C'est vrai que je l'ai un peu mis dans le coin. Je me casse. Oh la pute. Oh, j'ai plus de soin. Est-ce que je peux craft du soin? Je peux pas craft de soin. Starflord est dans la merde. Arrête d'appeler tes potes là. Je ramasse des trucs, je sais même pas ce que c'est. À part l'argent, ça je sais ce que c'est. Mais ils sont combien en plus que... Oula, j'entends un arc. Putain.
L'arc va être dérangeant. L'arc va être dérangeant. Oh putain, Starfall là, il y a des gros. Problème. Very grosse problemos, bro. Par contre, vraiment, je suis à la ramasse de munitions. C'est bon, hein. Ah, yes. Super. J'ai le temps de faire des conneries. Ça serait vraiment dommage de tomber dans ce duo, quoi. Le problème, c'est que je suis obligé de tuer. Ouais, putain, fou là, qu'est-ce que je viens de me prendre là? Ah, j'arrive pas. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. J'ai pas le temps. Ah, j'ai vraiment pas le temps. Bah les couilles. Hello, boys. Moi, je me souviens plus trop où est-ce qu'on va, là. Un point de sauvegarde, tout ce que j'aime, bro. Normalement, on se dirige vers l'usine de Heisenberg. Normalement. Je dis... Oh, non. Oh, bah là, mec... Ça va être compliqué. C'est un boss. Clairement, c'est un fucking boss. Alors, par hasard, mais vraiment par hasard. Bah oui. Pourquoi je pose la question, quoi? Bah écoute. Écoute, voilà. Voilà, voilà. Hein? On y go d'agneau. Moi, je vais juste partir. Bon, ça. Comme toi un peu toi aussi là. C'était plus chez Mémé ou... Qu'est-ce que j'ai ramassé là? C'est pas des munitions de ma... Non, pas du tout. Allez, salut. Wesh. Il saute sur moi tranquille, c'est la famille quoi. Normal quoi. Normalement lui on peut le tuer à la première. Oh là là. Oh là là. Comme si c'était pas assez. Comme si j'en avais déjà pas assez quoi. Alors du soin par contre je vais en crafter hein. Et vraiment.
Oh, oh, j'ai des sticks. Mais il fallait me le dire, ça. Ah. Par contre, ils sont pas les plus de mes hein. Vraiment. Lui, il fait sa vie. Mais frère, je viens de me soigner comme toi, là, putain. Là, clairement, je suis mort. Alors, mes lances patates, je crois que je vais les garder quand il y a les becs. Hein. Encore une fois, ça va être compliqué. Ouais, de premier soin. Tiens, ça peut aider. Je ne l'avais point vu. Du coup, on va refaire une sauvegarde dessus. Attends, on va même sauvegarder quand tout est chargé. Attends, c'est quoi On va vraiment tout lire. Ça aussi, il y a un succès, faut lire toutes les pages, quoi. J'en ai ça à foutre. Mais je pense qu'il doit avoir une technique pour le déglinguer. Écoute, c'est bien sympa, hein? Mais t'es où? Tu peux me dire que ça a bugué? C'est une blague? C'est une putain de blague, quoi. Ah, par contre, s'il y a bugué le jeu, enfin la sauvegarde, je suis un peu dégueu. Je serais un petit peu dingue, tu vois. Je vais re-sauvegarder comme ça. Avec sa grosse tête. Pas bon.
bats les couilles quoi. Putain. Ah mais cassez-vous. Putain. On ne devrait pas te quitter. Déjà mort. Mais ouais, j'ai trop de pouce quoi. Putain, ça va être galère. Eh, par contre, j'aurais pu aller voir le duc. Hein. Vu que là, je suis bien... bien ralasse niveau argent, tu vois. Comment j'ai réussi à le faire bugger tout à l'heure? Perso, il a fait le match pour savoir ça. C'est pas comme s'il nous suivait depuis le début, ce truc-là. T'es coincé avec le mur quoi. Les bâtons dynamiques je vais les garder au pire. C'est pas vu. J'aime beaucoup que j'ai posé les mines. What? Star pour l'or. Eh, il se prend des mines et tout, il s'en bat les couilles quoi. Thank you.
Oh, putain, j'ai peur, je pensais que j'allais me le manger. Ça va, par contre, t'as tout. Ah non, ça va. Elle a appelé ses potes là. Wow, 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 wow. Je vais faire un tourbillon devant moi là. Ah là je vais avoir des problèmes. Mais genre ça passe à travers quoi. Putain on aura tout vu. Ah là il va appeler ses potes. Allez, venez, 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 venez. Il me saute dessus en plus, ce bâtard. Casse-toi! Oh putain. Alors, je suis pas sûr. Mais je crois qu'on est mort. Ah, j'ai un doute. Hein. Je pense que déjà mes mines, faudrait que je les espace pour attirer limite les petits mobs dedans. Ou faudrait que je les écho. Je les écho et je les fous seulement quand ils spawnent. S'il te plaît, je suis en train de courir. Hein. Compliqué. Mes frères, c'est une blague, ça traverse les textures, quoi. Mais le pire, c'est que je sais même pas ce que je ramasse. Ça se trouve, je ramasse la clé tout à l'heure. Je peux me barrer. Non, mais je crois que c'est lui qui la lâche. Je vais aller voir le deck. Ça n'a pas moyen d'acheter des putains de munitions de Magnum.
La boutique du cuc. Bah non. Ça serait trop bon. Frère, j'ai juste besoin de munitions de magnum. Je suis pas le con, quoi. On va tout faire péter, hein. Allez, viens là. S'en bat les couilles. C'est... En fait, là, c'est compliqué à gérer les mobs et lui. Je brosse un truc pour rien. Oh putain. Bon, on veut une tatane, frère. Oh putain. Tu es mon dernier espoir, petite mine. Putain, mais cassez-vous! Dans le poche, je sais pas comment je vais faire. Ça risque d'être compliqué encore une fois. Parce que de toute façon, j'ai même plus de thunes. 725. Wow. On bat des records.
Mais là, c'est ça sur l'arme là, là. Qu'est-ce qu'il me faut? Magnum, c'est miette. Putain, c'est des munitions de Magnum aussi. Je crois que j'ai pas de munitions en fait dedans. Tu parles, bro. Entre deux murs, tu sais. Regarde, attends, qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Ok. Prends ton joujou, vas-y. Ok. Attends, là. Ok, je prends moi l'équipé. Allez, rappelle tes potes, vas-y. Sauvé par le poteau. Ah, j'ai pas de balle, putain. Voilà, clairement je suis dans la merde. Clairement je suis dans la merde parce que il y a pas de truc. Ah. Peut-être un peu abusé sur les sticks. Hein. Toi, j'arrête un gros marteau avec mes mains, quoi. Normal. Ouais, j'ai fait ça toute ma vie. You. Ah putain con. Je vais voir si tous mes trucs. Putain mais putain de russe. Un truc.
Oula, j'ai vu une plante. Je vais pas gratter. Allez. Je comptais sur toi, petite mine, putain. Ouais, c'est ce que je me disais, il est en train de découvrir après ce bâtard ou ça se passe comment? Non. Oh my god. Ah ma god. Délivrance peut-être. La délivrance peut-être. Ouh, tout ce temps. Là c'est la fin. Là ça va être la fin. Mais là je peux plus courir, je vais me faire défoncer le coup de balle, putain. Oh c'est chiant. Je suis sûr en plus t'es dans sa dernière phase. Mais j'étais dans une bonne strat là, je pense. Mais c'est le problème du fusil à pompe, je peux pas se dégager. Un poteau. Problème. Ouais, c'était pas moi. Hein. Peut-être pas. Donne le choix. Ouais, il marche sur une mine, il s'en bat les couilles quoi. Oh,
mauvais bail. Mauvais bail, mauvais bail. Et viens. Putain. Viens juste 2 mètres à côté là, casse pas les couilles, marche sur la mine. Wouhou. Mais je te dis, il se prend des mines, ils sont fous. Ça me fait enchaîner en plus. Oh là là. Normalement, quand j'aurai fini ce jeu, je repasse en facile, je les déglingue un par un en magnum quoi. Faut que j'aille vraiment faire genre du mercenaire ou quoi pour débloquer. Ah oh, bah attends, faudrait que je réessaye que le tour vendre. C'est pas bon ça. Pour débloquer le munition limitée magnum. Sinon j'irai faire des petits modes mercenaires. Et puis j'essaie de gratter des points. Ça m'aidera pour finir le jeu. Wesh. C'est quoi ces sauts de merde là qui nous fait là. J'ai 7 minutes. Coller les mines, c'est pas ouf hein, comme idée. Surtout que je pense pas que je puisse sauter des étapes dans ces phases. Oula. J'ai tenté de voir. Ah, je peux même pas aller au duc. Oh les bâtards. Ah les bâtards. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Si ça se trouve, il y a un truc tout con contre lui. Je retravaille une dernière fois. Même si j'y crois moyen, tu vois.
Je sais même pas combien de dégâts ça fait. Ça peut péter son histoire de saut là. Alors, on va faire un petit feu d'artifice, bro. Là, tu peux pas sauter des étapes. Démerde toi. Alors déjà, prends-toi un coup de massue. Ah, il faut la vie là-bas. Je peux pas courir. C'est pas trop bien fait. Casse-toi. Ouais, bah, je suis mort. Ah putain, ça fout. Pas combien il faut pour améliorer au max. Puis j'ai pas plus d'armes que tout à l'heure donc j'ai peur de faire une connerie en passant par là. Bref, bah moi du coup les gens, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas. Apparemment on a réussi à tuer Moro. Maintenant on est coincé sur un mini boss quoi, super. On va avancer à un live, un boss. Ce sera beaucoup plus simple. J'espère en tout cas que ce petit live vous aura, enfin ce petit live de 2h30 vous aura plu, où on aura galéré à tuer des boss et avancer dans ce putain de jeu de merde. Ce soir, normalement, il y a live Gameviewer, si je dis pas de conneries, avec Yumi et tout ça. Et puis nous, du coup, on continuera Resident Evil 8 peut-être ce week-end, je verrai. Je vais essayer de voir s'il y a pas des astuces pour tuer ce truc, là. Pour éviter de se prendre des grosses mandales dans la gueule avec son marteau de merde.
Et puis voilà. Du coup, je vous dis à ce soir. Bon appétit, bonne fin d'après-midi et à tout à l'heure. Bisous, bisous.